Hello, hello et bienvenue à ce direct. Alors, ce soir, je vais vous parler de faire un choix. Ah zut, j'ai écrit faire une croix. Quoique, c'est bien ça. Faire une croix sur la victimisation, c'est très bien. Bon, dites-moi ce que vous en pensez du micro, hein, parce que tout le monde se plaignait du fait que l'on ne m'entend pas. Val, on t'entend pas. Val, on n'entend pas, on entend mal. Souvent on me dit ça en replay ou sur YouTube. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce micro. Petit mini micro. Ça y est, je m'en suis procuré un. Ça, vous pourrez plus dire que vous m'entendez pas. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter et puis nous allons parler du sujet de cette vidéo. Alors je me présente, je suis Zoé Stickval et je vous aide à créer une nouvelle réalité. À comprendre qu'en fait, vous créez à chaque instant déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Vous êtes tout le temps occupé, H24, à manifester, à créer. Ah ouais, on entend fort, du coup, ben, mettez moins fort. J'adore. Enfin bref. Et donc, ça fait trop plaisir. Merci. Bon, je lirai après, parce que pour ceux qui regardent en replay, ce n'est pas agréable quand je fais cela. Alors. Qu'est-ce que je vous disais, moi? Ah ouais. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous le faites déjà tout le temps, sans arrêt. Vous créez votre réalité. Alors, je voulais vous dire qu'en fait, je vais l'éloigner le micro. Il faut que j'apprenne. Ouais, l'investissement du jour, le micro. Le fameux micro. Ah, j'arrête. On rigolera après, maintenant restons dans le sérieux. Donc, en fait, le thème aujourd'hui, c'est faire un choix. Il est beau, hein, mon micro. Ah, le son est bon. D'accord. En plus, il est beau. Et en plus, j'ai failli mettre autre chose au bout parce qu'il y a toutes sortes d'accessoires, hein. Mais ce soir, c'est ça. Et demain, je choisirai autre chose. Enfin, le prochain direct. Enfin, bref, je suis en train de m'éloigner du sujet, comme d'habitude, pour pas changer. Mais bon, nous avons parlé du micro, donc voilà. Le fameux micro. C'est vrai que j'aurais pu l'attacher là et ne pas le tenir, en fait. Et si j'essayais? Ouais, je fais ça. Ça me fait une voix de star. On m'a toujours dit que j'avais une belle voix. C'est parfaitement parfait, Val, avec ton micro. Oh ben voilà, abracadabra, tout est parfait. Ça, merci. Vous me faites rire. Bon, j'arrête. Et donc, je vous expliquais, faire un choix, et apparemment dans le titre, attends, je vais cliquer. Il est mis faire une croix. Bah ouais, en fait, il n'y a pas d'hasard. J'ai pas fait exprès, voilà. En fait, je voulais dire faire un. J'ai voulu dire, j'ai voulu mettre comme titre faire un choix, victime ou star de votre film. Ok? Et j'ai mis faire une croix. Bah oui. Bah alors, faites une croix sur la victime attitude. En fait, vous vous plaisez tellement bien dans votre mode victime. Vous adorez être des victimes. C'est génial d'être une victime. Avouez, dites-le, avouez. Avouez que vous adorez être des victimes. Parce que là, ça commence à me fatiguer, en fait. C'est fou parce que j'aime bien, je râle, je fais la râleuse, mais je souris en même temps. Donc, ça fait pas très sérieux, quoi. Mais je vous explique. En fait, c'est fatigant pour moi, comme pour vous d'ailleurs, de rester victime. Vous comprenez pas que vous êtes la star de votre film. Vous avez le droit d'être la star de votre film. C'est votre droit de naissance. Il faut arrêter d'être des victimes. Lorsque vous jouez le rôle, vous choisissez le rôle de la victime, eh bien, c'est là que vous... Bah oui, vous retombez en victime attitude, mais c'est là que vous gâchez votre vie toute seule, en fait. Oh, Nat, qu'est-ce que ça me fait plaisir de lire. Je ne suis plus une victime. Mais tu te rends pas compte, Nat, pour toi, qu'est-ce que ça me fait plaisir, c'est très important. Mais on a marre d'être victime. Franchement. Alors, on aime bien ressasser les trucs du passé. Oui, mais il m'a dit. Oui, mais il se passe cela. Oui, mais j'en peux plus. Je comprends, c'est un appel au secours. C'est un appel au secours. Mais en fait, pourquoi vous faites un appel au secours? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que pour le moment, votre vie ne vous plaît pas, par exemple, on va dire. Et donc, vous vous rendez compte que votre vie ne vous plaît pas et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Ok, c'est déjà un bon départ. Ouais, t'es l'actrice de ta vie. Bravo, Catherine. Et donc,
Bon, je vais lire après, je vais lire après, je vais lire après. Je vous aime bien, mais je vais lire après. Et donc, le problème, c'est que votre vie, enfin, par exemple, aujourd'hui, j'ai un call avec une personne qui me dit, va, tous mes domaines, ça va bien, j'ai de l'argent, j'ai l'appart que je voulais, dans la ville que je voulais, tu vas te reconnaître, très sympathique, génial, cette nana, enfin bref, j'ai l'appart que je voulais, j'ai le truc que je voulais, nana, il y a juste la personne spécifique que j'ai pas. Ah, je dis, bah voilà, donc voilà. Donc, ça ne veut pas dire que dans tous vos domaines, vous êtes une victime. Ok. Elle, en fait, cette nana-là, avec qui j'ai eu un call aujourd'hui, c'est pas du tout une victime, justement. Elle a une forte personnalité, elle a compris, elle a eu des déclics. Enfin, c'est une courageuse, on va dire, une vraie courageuse. Et donc, une survivante, on va dire, une survivante, ouais. Et vraiment, calpep, sourire et tout, vraiment génial, nana. Comme vous êtes toutes ici, moi, toutes celles qui me suivent, vous êtes comme ça. Vous êtes extraordinaire, moi j'adore. C'est incroyable, j'attire que les personnes comme moi. On va dire, je manifeste que les personnes comme moi. Je crée que les personnes comme moi dans ma réalité. Enfin, bref, ceci étant dit, je voulais vous dire qu'en fait, vous pouvez, par exemple, en amour, être très bien, mais financièrement, ça va pas. Vous pouvez, voilà. Donc on va dire, on crée de la merde, excusez-moi le mot, c'est mal poli, hein, mais tout le monde dit merde. Il faut arrêter de faire comme si personne disait merde. Et donc, on crée ce qu'on ne veut pas dans notre réalité parce qu'en fait, on se victimise. Je vous explique. Si par exemple, vous avez des problèmes dans votre vie, financiers, au travail, n'importe quel problème, sachez que vous l'avez créé. Une fois que vous en prenez l'entière responsabilité, je ne dis pas d'aller vous suicider, moi. Je ne dis pas de vous en vouloir. Je ne dis pas de vous faire du mal. Je ne dis pas de vous flageller. Je ne dis pas de vous faire je sais pas quoi, moi. Non, c'est pas ça. Je dis pas j'en prends l'entière responsabilité. T'as vu ce que j'ai fait de ma vie, je suis nulle. Non, ça c'est ça la victime attitude. Non, non. Une reine, une vraie reine, un roi, une reine, dans sa réalité, quelqu'un qui comprend que il est ou elle est le créateur ou la créatrice de ta réalité, elle va pas faire ça. Elle va surtout pas se faire du mal, puisque je m'aime, je suis importante, j'ai de la chance d'être ici. Si je suis ici, c'est qu'il y a une raison. Cette vie vaut la peine d'être vécue. Vous vous en rendez pas compte. Et donc, je dis merci, merci à la vie, merci. Donc tout le temps la fameuse gratitude. Ok. Cela étant dit, c'est fatigant en fait, parce que vous comprenez pas que tout ce que vous dites, tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez, c'est pour ça que votre vie, elle se ressemble d'un jour à l'autre. Votre vie ne change pas tellement parce que vous avez toujours les mêmes pensées, les mêmes croyances. Vous ne changez pas en fait. Et donc, tant que vous n'aurez pas changé, votre vie ne changera pas. Donc, tant que vous continuez à raconter l'ancienne histoire de la victime, oui, mais tu sais, je sais pas, je sais. Oui, mais pourquoi? Mais arrête de me poser 100 fois la même question. Je sais pas. À un moment donné, où? Vous écoutez la vidéo 10 000 fois, jusqu'à ce que la pièce tombe. Tant que la pièce ne tombe pas, moi je ne peux pas la faire tomber à votre place. Moi je ne peux pas venir chez vous et vous secouer, vous donner des claques, tac, tac, hein, vous réveiller. Je ne peux pas prendre un seau d'eau froide, vous le mettre sur le visage. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir, moi, vous assister H24 chez vous. Si vous donnez 25 000 euros, je viens, il n'y a pas de problème. 25 000 euros la semaine, je viens. Il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent, viennent 24 heures sur 24, une semaine chez vous. 25 000 euros. Oui, ça je peux faire. Et je peux, voilà, être là derrière vous et vous assister, puisque vous voulez être des assistés. Vous comprenez? On a tous besoin de quelqu'un pour nous donner la main, pour nous accompagner. Je comprends. On se sent seul, je comprends. Parce que moi aussi, hein, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, il faut. Il faut choisir où je suis une victime, où je suis la star de mon film. Quand je comprends que je suis la star de mon film, parce que je crée ma réalité, à ce moment-là, je choisis le rôle que je veux avoir dans ce film. J'arrête d'être la victime. J'arrête tout le temps. Donc, vous êtes là, vous affirmez pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou alors vous affirmez, ouais, j'affirme toute la journée, j'affirme toute la journée, je fais ce que tu nous dis, Val, j'affirme à tel moment, j'écris et tout. Et puis, tout à coup, vous avez un petit problème et vous réagissez dans la 3D. Et donc vous retombez dans le piège de l'ancienne vous, de l'ancien vous. Hein. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, une fois, deux fois, trois fois, mais 100 fois, c'est faut le faire. À ce moment-là, je me dis, bah, laisse tomber, quoi. Arrêtez.
Puisque vous aimez des victimes, bah arrêtez alors, continuez votre ancienne vie, arrêtez d'affirmer, arrêtez de manifester. C'est tout. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Parce que... Enfin, voilà, moi je trouvais que c'était important à dire parce qu'il y a trop de personnes qui se victimisent. Tant que vous restez victime de votre réalité, rien ne changera dans votre réalité. Oui, c'est le piège du mental, mais nous avons la chance d'avoir justement un cerveau, et donc il nous a été donné, hein, on a cette chance, pour réfléchir. Et donc, la moindre des choses, c'est à chaque fois, c'est non. On sait que le piège du mental, ça revient, mais alors on se reprend, on essaie de se reprendre. Parce que quoi? Je me souviens quoi? Ah ouais, je veux plus être la victime, d'accord. Qu'est-ce que je veux? Je veux être la star de mon film. J'ai droit à être, parce que je suis déjà la star de mon film, parce que je suis le rôle principal dans mon univers, dans mon film à moi. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Attendez, parce que le micro, il est bien, mais je me suis emmêlée dedans, parce que c'est 3 mètres, le truc. Là là, trop marrant. J'arrive à m'emmêler dans le micro. Ah, le fil du micro. Enfin voilà. Je voulais parler de ça, parce que aussi, voilà. C'est chimique. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mes coachings. Enfin, j'en ai déjà eu beaucoup, en tout cas. Et oui, il faut apprivoiser le mental. C'est ça, Camille. Nat, quand on en prend conscience, c'est tellement facile de le zapper. Bravo, Nat. Nat est trop forte. Donc, moi, j'ai beaucoup de personnes dans mes coachings. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin de plus d'aide que d'autres, qui ont besoin que je sois plus présente que d'autres. Moi, j'ai des personnes dans mes coachings, par exemple, qui peuvent passer 8 semaines dans mes coachings ou 6 semaines et qui ne vont jamais m'envoyer un message. Mais jamais. Nous avons des calls, là, là, là. Elles comprennent le truc. Et à chaque fois que j'ai un call avec elles, ben, je dis bah, bravo, elles sont fortes. À chaque fois que j'ai un call, je dis bah, tu m'as pas écrit, tu m'as pas posé, mais j'avais pas besoin, ça va, j'ai compris, je comprends. Et alors, à chaque fois, elles évoluent. Elles ne ressassent pas la même histoire tout le temps. Donc, à chaque fois, une évolution. Mais à un moment donné, c'est un choix. Ou on évolue, où on reste victime de sa réalité. Je vous ai donné tous les outils, moi. Il y a le PDF, il y a les vidéos que je fais. Celles qui sont dans mes coachings, elles m'ont moi en plus. Moi, je vois pas ce que je peux faire de plus. À un moment donné, si ça va pas, vous n'y arrivez pas, ben, il y a des psychologues pour ça, pour vous aider, parce que moi, je suis pas psy, en fait. Moi, je suis juste coach. Je l'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai bien inscrit sous les vidéos. Je ne me revendique pas psychologue, ni psychiatre, ni docteur, ni... Non, moi je suis pas tout ça. Moi je vous montre comment créer votre réalité. Maintenant, à un moment donné, ça va pas vous perdre des pieds. Je peux essayer de vous aider, mais à un moment donné, je peux plus rien faire parce que vous voulez pas en fait. Vous voulez pas changer. J'en ai plusieurs comme ça. Et moi à un moment donné, je comprends bien. Moi aussi, j'ai déjà eu des idées noires. Moi j'ai eu. Mais à ce moment-là, si vous comprenez pas ce qui est mis dans le PDF et ce que je vous explique et vous les mettez pas en pratique, je me répète, mais c'est important. Le truc est de mettre en pratique et de changer votre mindset. Si vous restez la même personne, hein, qu'avant d'avoir pris le PDF ou d'avoir découvert mes vidéos, ou enfin voilà, si vous restez la même, vous ne changez pas à l'intérieur de vous, vous ne changez pas votre état d'esprit, votre mindset, vous ne changez pas, vous restez la même, ça sert à rien en fait. Vous pouvez prendre 20 coachings, 50 coachings avec n'importe qui. Vous n'allez jamais changer, ça va rester toujours la même chose et votre vie ne va pas changer. Elle va peut-être même s'empirer. Parce que voilà, enfin voilà, je voulais un peu dire tout ça. Maintenant, je vais aller lire vos questions. Parce que j'ai vu les questions passer, hein. Allez, je vais recommencer du début. Mais c'était marrant au début. On t'entend fort du coup. Bah, super, ouais, c'est joli, Lisa. Ok. Je sais pas si vous comprenez en fait ce que j'essaie de vous expliquer. Je pense que oui. Donc, reprenez votre pouvoir. Sachez que vous êtes la star de votre film. Donnez-vous le rôle que vous voulez être. Alors, la bonne question à se poser, c'est comment je me sens maintenant, comme ça? Qu'est-ce que je... Ça. Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Pas ça. Ok, alors je peux... Ok, j'en prends conscience. Je dis merci. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Pourquoi? Parce que je ne savais pas. Je dis merci. Merci de m'ouvrir les yeux parce que je vois en fait, mais avant je ne savais pas. Pardonne-moi s'il te plaît parce que je ne savais pas. Je t'aime. À qui vous adressez lorsque vous faites ça? Au divin, au créateur. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, à la source. Ou alors vous pouvez même dire à votre être intérieur. Enfin voilà, plein, voilà.
Et alors, vous demandez la remise à zéro, ça veut dire le nettoyage de tout ce problème en fait. Après, une fois que ça c'est fait, vous commencez à affirmer le contraire. Problème égale solution. Quelle serait la solution à ce problème? J'ai pas besoin de me suicider pour ça. Allô? Allô? Je sais pas. J'ai pas besoin de gâcher toute ma vie pour ça et de remettre toute ma vie en question parce que j'ai un problème ou deux. Ok? Tout le monde, on a tous ces problèmes, hein, on est bien d'accord. Tout le monde a un problème dans sa vie. Il faut arrêter de croire que, voilà, la vie c'est comme ça. Mais le problème, en fait, il vous montre quelque chose sur vous-même. C'est tout. Alors vous allez dire, ok, je vois le problème, merci, pardon, moi je fais Ho'oponopono. Après, je peux changer ça, oui. Si par exemple, j'ai un pull gris, ok, c'est un problème, j'aime pas le gris, d'accord, je veux quoi, un pull rouge, ok, je dis merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je savais pas. Que je manifeste des pulls gris parce que je parle tout le temps du gris et que j'aime pas le gris et le gris et le gris dans ma vie et le gris est tellement présent dans ma vie que j'ai plein de pulls gris et tous mes pullovers et mes sweatshirts et tout est gris et ma vie c'est vraiment du gris quoi. Ça victime attitude. Maintenant moi je vais dire maintenant attends, je veux être la star de mon film, moi je veux un film, je veux un pull rouge. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire Ho'oponopono, je vais dire merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Parce que je ne savais pas que je créais tout le temps que du gris, puisque je suis victime. Hein. Je ne veux plus être la victime, je veux reprendre mon pouvoir. J'ai cette possibilité, parce que j'ai le libre arbitre dans ma réalité. Ah, j'essaie de vous expliquer au plus vite, au mieux. Alors, je vais commencer à être la reine de ma réalité, je vais commencer à être la star de mon film. Comment je vais faire? Je vais commencer à dire, purée, j'aime trop les pulls rouges. Merci, j'ai plein de pulls rouges. Même si c'est faux, on s'en fout. Je vais commencer à le manifester, à l'affirmer. Je vais commencer à voir la vie en rouge, tout en rouge. J'ai plein de pulls rouges, j'aime trop les pulls rouges, j'ai toujours plein de pulls rouges, je reçois des pulls rouges en cadeau, je m'achète des pulls rouges, j'ai des pulls rouges. À un moment donné, vous allez commencer à voir du rouge partout. Faites le test. Vous allez commencer à vous acheter plein de pulls rouges. Les gens vont vous offrir des pulls rouges, il va se passer des trucs avec du rouge. Enfin, c'est la même chose pour tout, en fait. Donc voilà. Je reprends mon pouvoir et je manifeste ce que je veux. Je ne sais pas si vous avez compris les étapes. Je sais que c'est pas évident parce que nous avons été éduqués autrement, on nous a appris la vie autrement, mais moi je vous apprends le contraire. Je vous apprends à reprogrammer votre subconscient, pardon, pour créer une réalité souhaitée, souhaitée, plus victime. Non. Alors, Nyomza, hello Nyomza, Yemir. Prochaine date, tiens. Mets coucou, Val, coucou ma belle. Rachida, on t'entend fort du coup. Ouais, tu m'as dit tout à l'heure, je rigolais, ouais. Sophie, Kennedy. Ça, je dois retousser. Pardon. Oh ouais, là, vous allez entendre ma toux dans le micro, ça y est. Ah, trop bon. Sophie Kennedy, coucou Val, coucou. Ça fait trop plaisir de te revoir, ma belle Val. Merci, Maëlys. Comment tu vas? Wanapop, coucou. Coucou Val, je t'attendais. Eh ben voilà, super. Nat qui dit bonsoir Val, bonsoir tout le monde. En plus, Nat, juste avant, 2 secondes avant, elle me dit, Val, quand est-ce que tu vas faire le prochain direct? Je dis, maintenant. Elle fait, ah, chouette. Donc voilà. Ah, Ousblot, coucou ma belle, comment tu vas, Sandrine? Dita Estrefi Badi, coucou Sarah, bonsoir, vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil, Sarah, c'est gentil. Bon investissement, le micro. Ouais, t'as vu, Isa. MNA 69 dit bonjour, il tombe à pic ce direct. Ben voilà, c'est parfaitement parfait. Oui, j'ai vu. Sunrise dit coucou belle Val, je regarderai en replay, il n'y a pas de problème. Metz dit c'est parfaitement parfait Val avec le micro. Ah oui, je l'avais lu tout à l'heure. CDJ, Renata, je ne vais pas lire tout. Hello, hello. Tu nous fais rire. Ah ouais, j'aime bien vous faire rire, vous savez. Bonsoir de la Haute-Savoie. Hello la Haute-Savoie. Bienvenue Pat. Bonsoir Pat. Véronique, coucou Véronique, comment vas-tu? Bernadette, bonsoir va notre belle âme. Merci Bernadette, c'est gentil. Je ne suis plus une victime. Ouais, ça, j'ai rebondi tout à l'heure là-dessus. Tu as raison, Val, on a marre de victimes. Mais ouais, Laetitia. Hervé dit bravo. Merci, bravo, bravo à vous aussi. Pat dit stop victime. Yes, Pat. Nat qui a dit je suis reine de ma réalité. Bien sûr, t'es la reine.
Catherine dit, je suis l'actrice de ma vie. Mais oui, tu es, nous sommes les actrices de notre vie. Oui, j'adore. Camille, est-ce que je manifeste que je suis irrésistible auprès de quelqu'un et que cette personne n'est pas bien pour nous? Que fait l'univers? Nous protège-t-il? Non. En fait, c'est si toi tu décides qu'une personne est bien pour toi, elle sera bien pour toi. Quand tu dis cette personne n'est pas bien pour moi, l'univers il s'en fiche en fait. Je dis rien, hein, je dis ça, je dis rien. L'univers en fait, tout ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Donc si toi ton bonheur c'est de dire cette personne-là n'est pas bien pour moi, eh bien l'univers il va dire d'accord, on va s'arranger pour que voilà. En fait, ton subconscient c'est ton serviteur. Ça veut dire que il est là pour te rendre des services. Il est là pour te montrer, te dire, ok, tu veux ça, je te donne ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Et donc, lui, il travaille en ta faveur, toujours en ta faveur. Mais toi, peut-être qu'au fond de toi, tu vas penser des choses négatives, mais lui, il ne connaît pas le mal et le bien. Il ne juge pas, d'accord? Donc, lui, il sait pas si c'est mal ou bien. De t'envoyer la chose négative à laquelle tu penses. Mais toi, vu que tu y penses tout le temps, bah, il se dit, bah, tiens, elle aime bien ça, en fait. Je sais pas si tu comprends, Camille, mais je pense que j'ai bien répondu. Véronique qui dit, je reste souvent victime ou je me prends pour une victime. Mais je vais changer, annuler, annuler, annuler. C'est bien, Véronique. Tu peux le faire, Véro. Tu peux le faire. Majusha dit, j'apprends à ne plus être une victime, mais je crée ma réalité. Bravo. Ah oui, je dois vous parler du PDF après. Je fais des petits changements en fait. J'ai rajouté quelques pages au PDF. Donc toutes les autres qui vont acheter à partir d'aujourd'hui le PDF, il y a quelques pages en plus. Désolée pour celles qui l'ont pris avant. J'ai eu une zine comme ça parce que je me dis c'est pas possible, vous comprenez pas ce que je dis, il y a un problème. Alors j'ai rajouté quelques pages. Je vais essayer de les mettre à part, mais ça va être difficile pour celles qui. Je sais pas comment je vais faire. Enfin bref. Et donc, le PDF est à 55 euros. Puisque j'ai rajouté 8 pages. Ou 9 pages. Je sais plus. Je sais plus si c'est. 9, 8. 9, 8. Enfin, quelque chose comme ça. Aline dit. Bonsoir, Val. Je regarderai demain en replay. D'accord. Nat, piège du mental. Je l'avais lu tout à l'heure. Stella Witches qui dit bonsoir. Bonsoir Stella. Il faut approvisionner. Oui, ça j'avais lu. Nat, quand on prend conscience, c'est tellement facile. Ça je l'avais lu aussi, pardon. Je recommence à relire les mêmes commentaires. Bravo Val. Sophie, j'avais dit bonsoir. J'avais vu bonsoir, bonsoir. Mais j'ai vu, il y avait des messages plus longs. Je viens d'arriver. Ok Sophie. Comment faire quand tu as eu la manifestation et c'est vite parti, comment refaire? Bah, tu refais la même chose. C'est que tu pensais que tu ne le méritais pas, ou tu as eu des doutes, ou il y a eu un truc. Donc si ça arrive et que ça repart au plus vite, c'est qu'il y a un truc. Réfléchis un peu, retourne à la source. Qu'est-ce que tu avais pensé? Si tu ne retrouves pas la source, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas important. Tu peux recréer ça, d'accord? Coucou ma belle Val. Heureuse de te voir. Moi aussi, papillon 533, comment vas-tu? Merci. Margaret, coucou. Coucou, Margaret. Sophie, je suis tellement. C'est tellement merveilleux, le pouvoir de la manifestation. Oui, très, très merveilleux. Oui, je trouve aussi que c'est waouh. Aurélie, hello Aurélie. Betty, hello Betty. Betty qui fait yes. Boss. Il n'y avait pas un truc comme ça? Non, 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 boss. Tout le monde qui faisait des... C'est pour montrer à Betty. Tout le monde faisait des TikTok là-dessus, on me donnait avec le boss. Alors ça fait boss. Ah, j'ai de l'imagination, je suis désolée. Valamar, coucou Val Ripley. Hello Valamar. Félie, Marie, 295. Donc comment vous dites 295? Coucou Val, hello. Margaret, coucou Val. Hello Margaret. Coucou Val, est-ce que les affirmations seraient-elles une solution pour hacker le cerveau? Les affirmations sont très bien, c'est comme les affirmations, c'est la même chose. Mais alors en fait, tu peux dire, comment se fait-il que j'ai tant d'argent? Comment se fait-il que j'ai toujours plein d'argent? Comment se fait-il que je peux m'acheter tout ce que je désire? Bon là, je parle d'argent, évidemment. Comment se fait-il que j'ai toujours eu
plein d'argent sur mon compte. Comment se fait-il que mon compte est full? Comment se fait-il que tata? Donc, tu vas commencer à poser des questions. Donc, au lieu de faire des affirmations, tu vas dire la même chose, mais en questionnant. Alors, comment se fait-il que ma personne spécifique est dingue de moi? Comment ça se fait qu'il m'écrit tout le temps? Comment ça se fait que, il voit que moi? Comment se fait-il que je suis sa priorité absolue? Je suis la number one. Comment se fait-il que, il me montre, je sais pas, il fait ci, il fait là, il m'offre tout le temps des cadeaux, je sais pas, un truc comme ça. Eh bien, votre cerveau, le subconscient, il va commencer à chercher pour vous donner raison. Il va dire, tiens, elle se demande comment ça se fait qu'elle a ça. Ça veut dire qu'elle l'a. Alors je vais lui donner. Mais c'est un peu la même chose que les affirmations. Mais c'est très puissant. Moi, je mélange les deux. Il m'arrive de faire les informations et les affirmations. Par exemple, je vais affirmer, je gagne autant, j'ai autant. Comment ça se fait que j'ai autant d'argent? Je vais glisser une phrase comme ça dedans. Donc voilà, comme ça j'ai répondu. Mais ça hack, oui, ça piège le subconscient, hacker le subconscient, mais les affirmations aussi, si vous le faites correctement, les deux. Les deux sont bien, vous pouvez faire les deux en fait. Coucou, j'ai raté le début, replay. Ok, pas de souci. Nawal, hello Nawal, hello Happy New Year, toi aussi Happy New Year à l'avance. Excellente question, bah voilà. J'ai loupé. Mince. J'ai loupé le début, je regarderai en replay, il n'y a pas de problème. Élise dit coucou Val, hello Élise. Élise, grâce à toi, à ton PDF, j'ai compris que je suis l'amour de ma vie. Mais c'est ça, t'es l'amour de ta vie. Ah, j'adore ça. Ça, je vais faire une capture. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça, ça. Tu me rassures, je me dis, ça va, le PDF, ça va. Parce que quand les gens ont le PDF, sont dans mes coachings. Plus regarde mes vidéos, ils n'ont toujours pas compris qu'ils étaient l'amour de leur vie à eux. Je me dis, mais je me suis mal, j'ai mal expliqué, il y a un problème. Mais là, ça me rassure, Ellie. Ça me fait plaisir de lire ton message. Bravo, tu es une reine. Tu es la star de ton film, ça y est. Sophie dit, écoutez le dernier podcast de Val. Hein, merci, il était chouette celui-là. L'univers n'a aucun discernement, c'est ça. Attends. Siachita Note. Je suis désolée. Je déforme les noms. Coucou Val. Hello. Ah, hello ma belle. Je te reconnais. Je regarderai un replay demain. Bon live à tous. Le PDF est génial. Je vous le conseille à tous. Merci papillon. Bisous, bisous. Et moi, je viens de le prendre il n'y a pas longtemps. Allez, super. Bah ouais, je sais pas comment je vais faire pour vous donner 9 pages en plus. Oui, c'est vrai que vous pouvez payer la différence. Je devrais faire un lien privé juste pour vous et vous m'envoyez un message et moi j'essaie de vous envoyer. Oui, c'est juste 11 euros de différence. Hein. Ok, on va y faire. Oui. Toutes celles qui veulent les 8 ou 9 pages, envoyez-moi un message et on va essayer d'arranger ça entre nous. Les idées sont bonnes, j'y avais pas pensé. En fait, ce que je pourrais faire, vous payez la différence. Et moi, je vous envoie le PDF complet. C'est une bonne idée. C'est qui m'a dit ça? Enfin, je sais plus c'est qui. Ah ouais, voilà, c'est Maître. On paye la différence, on va entière. Ouais, c'est bonne idée. Ok, moi aussi, je viens de le prendre. Ok, ça va. Bon, on fait comme ça. Je suis sûre que tu vas nous trouver une super solution pour le PDF. Abracadabra. Oui, oui, carré. Vous m'avez donné des idées, là. Salut, comment vous allez? On va bien, merci. Alors, Betty, ah, boss. Betty, si tu savais ma façon de penser, tu m'adorerais. Mais écoute, si t'es là, c'est que on se ressemble. Donc y a pas de, je suis sûre que je t'adorerais. Alors, Noémie, coucou Val. Si je comprends bien, pour pouvoir manifester, il faut qu'on arrête de ruminer. Yes, Noémie, bravo. Et juste se dire qu'on est notre reine. Yes. Et tout se passe comme nous le souhaitons. Oui. Et que la manifestation arrive. Yes, Noémie. Voilà. Voilà. Tout est dit en quelques phrases. Bravo, Noémie. Ça, c'est bien. Bravo. Simple, facile, efficace. Chica Italiana, hello. Coucou Val, hello. Quand on comprend, les pièces tombent. C'est ça, il faut que les pièces tombent. Quand on comprend, les pièces tombent. C'est ça.
En fait, quand la pièce tombe, ça veut dire qu'on a compris. C'est ça, j'adore. Me réjouis de revoir depuis le début demain matin. Merci, chica italiana. Nawal, nawal. J'ai toujours un problème avec ma mère et l'argent toujours demande trop. Mais change l'histoire, arrête de dire ça. Katia qui dit bonsoir Val, je remarque que quand je lâche mes attentes, oui, que je lâche prise, les choses tournent en ma faveur. Oui, toujours Katia, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il faut lâcher les filles, lâcher l'affaire. Lâcher prise. Ouais, c'est ça, il faudrait que je fasse un lien que pour les 9 pages. Ouais. On va faire ça, Céline. On m'a envoyé moi des messages, moi je sais pas courir après vous, parce que il y a eu plus de 800 PDF. Sais pas si j'aurais retrouvé les 800 personnes, quoi. Enfin, plus de 800 maintenant, qui ont téléchargé le PDF. Donc, moi, ça va me prendre un temps fou. Donc, celles qui voient cette vidéo et qui, voilà, qui ont le PDF, qui veulent les pages en plus, j'ai juste rajouté comment se calmer. Voilà. Et un peu sur la personne spécifique, c'est tout. Mais là, je suis occupée à créer un PDF. Je vous en avais déjà parlé, mais je suis vraiment dedans sérieusement maintenant. Spécial personne spécifique. Ou alors, j'ai deux idées. Un, manifester l'amour tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'idées spécifiques, ils n'ont pas de personne spécifique en vue. Donc ça, ce serait bah, manifester l'amour tout simplement. Et manifester une personne spécifique, c'est manifester un ex, une personne sur laquelle vous avez l'œil, que vous désirez, que vous voulez dans votre réalité, et que vous pensez, pour je ne sais quelle raison, que vous ne pouvez pas, que c'est pas possible, nanana. Or, que si vous avez l'idée, ça veut dire que il existe une ligne de vie où vous avez cette personne. Vous êtes déjà avec. Vous êtes avec. Mais oui, ou sinon, ce ne serait pas votre personne spécifique. Donc voilà, voilà dit. Fais-nous un cadeau qui est acheté ce mois-ci. Ah, t'as acheté ce mois-ci, toi. Je vais réfléchir. Je sais plus qui a acheté ce mois-ci. Il faut que je regarde. Avant, chica italienne, avant de faire mes affirmations pour ma personne spécifique, je dis toujours que je suis merveilleusement parfaite. C'est ça. Et j'attire l'amour et tout le monde m'aime. Voilà, t'as tout compris. Ça, c'est le concept de soi. Quand votre concept de soi est puissant et fort comme ça c'est bien. Ça veut dire que, voilà, moi je me vois comme ça, je suis merveilleusement parfaite, j'attire l'amour et tout le monde m'aime. Voilà, ça c'est très puissant. Et puis on dit les affirmations. Donc là, tu es vraiment la star de ton film. Bravo, tu crées un beau film. Marie, oui Val, avec plaisir pour les 9 pages et je paye la différence. D'accord. Je paye, 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 paye. Ouais, moi j'ai l'accent belge, faites pas attention. J'ai acheté ton PDF, mais c'est quoi ces 9 pages supplémentaires? J'ai raté le début. Katia, c'est ben, ces 9 pages supplémentaires que j'ai rajoutées. Je sais pas, ça m'a pris une zine comme ça, je l'ai un peu peaufiné. Je l'ai un peu peaufiné un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée, ça m'est venu, vu que voilà. Et c'est pour ça que voilà. Il est à 55 maintenant. Parce que je me dis, vous allez cliquer, vous allez voir 55, vous n'allez pas comprendre. Donc au lieu de 29 pages, maintenant il y en a 36. Ah voilà, il y a 7 pages en plus. 36, 37, 36. 7 pages, pardon. 7, 8 pages. Oh, j'ai pu calculer, c'est pas possible. 8 pages, pardon. Enfin, c'est là. 22h12, quoi. Fatiguée. Et donc je me dis, vous allez dire, mais pourquoi elle ne laisse pas à 44, pourquoi 55? Normalement, déjà, il devrait être à 88. Et pour ne pas dire, il devrait être à 1000 euros carrément ce PDF. Parce qu'il change vraiment la vie de beaucoup de personnes. Il peut changer toute votre vie. Mais voilà, moi j'avais choisi 44. Puis je l'ai laissé à 44 parce que beaucoup de personnes ont des difficultés financières, etc. Et puis je me dis, je ne vais toujours pas l'augmenter à 88. Même s'il vaut beaucoup plus, quand même. Je dis ça, j'ai rien. Je dis 55, c'est bien. Comme ça, on coupe la poire en deux. Tout le monde est content. Oui, Val, je voudrais aussi les 9 pages. C'est 8 pages, pardon. Et je paie la différence. Ah, j'ai hâte. Ok, super. Mais envoyez-moi tout un message en privé. Et je vais essayer de m'organiser pour faire ça pour vous. Vous avez PayPal? Je sais pas, on va s'organiser. Ambre Romani, qui me dit bonsoir, Val. Hello, Nadia. Hello, hello, hello. Hello, Nadia. Surtout pas un ex. Ah, ben voilà, pas de ex. Il y en a qui veulent leur ex et d'autres. Je me tarde le prochain PDF. Il me tarde le prochain PDF.
Oui, mais le prochain PDF, il va être beaucoup plus long. Parce que je rentre dans des détails, des trucs. Parce que c'est une personne spécifique. Parce que je remarque que un PDF pour les deux, amour et personne spécifique. Oui, c'est ça que je suis en train de faire, mais ça prend un temps fou. Parce que j'essaie d'expliquer au mieux et tout ça. Que ça... je ne sais pas quand ils sortiront, mais je vous tiendrai au courant. J'affirme, je me détache du résultat car l'univers se charge des détails. C'est ça, Anne-Marie, bravo! Et sans qu'on s'y attende, pouf, ça arrive. Oui, comme tu dis, pouf, ça arrive. Ah, Malika, t'as acheté le PDF hier. Attends, Malika, on va s'arranger, je vais t'envoyer. Désolée, Malika, je t'enverrai ça, tu payes. Voilà. Ouais, je suis désolée. J'ai le PDF, il manque les 9 pages. Ah, Ferdita, aïe, aïe, aïe. C'est juste un supplément de 11 euros, vous aurez les 9 pages. Je suis désolée. Ça vous fait 1 euro la page, presque. Je sais plus. Nat, ça m'est arrivé la dernière fois. Je n'arrête pas de me dire que je suis belle. Oui, tu m'avais dit. Et que tous les regards se posent sur moi. Et la dernière fois, dans la rue, quelqu'un est passé à côté de moi. Il m'a dit, vous êtes belle. Mais bien sûr, quand tu commences à avoir une belle image de toi, que tu commences à dire ça, les gens vont commencer à te le refléter, te le montrer, te le dire. Le miroir du jeu de la vie va refléter tout cela. Tu es une preuve. C'est la preuve. J'adore. Purée, je devrais avoir de l'eau ici. Je vais... Un instant. C'est génial. Oui, Nat, elle est géniale. Bonsoir, Belleval. Tu es déchaîné. Non, non, tu sais pourquoi on entend trop bien? C'est le micro. C'est le micro, Diane. C'est le micro. C'est le micro. Merci, le micro. Je décide de lâcher prise. Yes. Chica Italiana. Mon défaut, c'est que je me demande toujours le pourquoi et comment. C'est ça le problème. C'est ça, je remarque. Arrête, Chica Italiana. Fais plus ça. En plus, tu t'en rends compte. Mais comment faire? Tu dois te rendre compte que tu dois plus faire ça. Quand tu remarques, tu dis non, 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 non. Je m'en fous de comment ça va arriver. Je m'en fous à quelle heure, comment, datata, toujours, pourquoi. Tu affirmes ce que tu veux et c'est tout. D'accord. J'ai changé ma façon de marcher. Je marche la tête haute comme une reine. Ah, j'adore, moi aussi, je marche comme ça. La tête haute comme une reine. Ah, yes, Nat. Nat, t'es trop forte. Attends, parce que voilà. Bon, je vous aime bien. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Bon, petit rappel. Avant de prendre un call avec moi, parce que vous êtes plein à prendre des calls, c'est gentil, c'est mignon, mais attendez. D'abord, procurez-vous le PDF. D'abord, voilà, je vais vous donner le fil, la suite logique des choses dans la vie. D'accord? Oui, tu peux affirmer que tu lâches prise facilement, chica italiana. Tu peux dire, waouh, ouais, c'est incroyable que je lâche toujours prise facilement. Lâcher prise, c'est ma spécialité. Lâcher prise, c'est vraiment une de mes qualités. Voilà ce que tu vas dire. Merci, bonne nuit, Aphrodite. Merci beaucoup. En 15 jours, 5 personnes m'ont dit que tu rajeunis. Yes. Ça y est, Diane, ça commence à marcher. Ça y est, tu commences à voir ta réalité qui va commencer à changer tout doucement. Ça, c'est bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Margaret dit douce nuit. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais dire un truc. Ah oui. Donc, première chose, c'est écouter mes vidéos. Il y a ma chaîne YouTube, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a ici, il y a mon podcast, il y a, voilà, il y a de quoi écouter. Deux, investir en vous-même, ça veut dire télécharger le PDF. Je manifeste ma réalité. Ce PDF, il peut changer toute votre vie. Si vous le lisez, lisez, relisez, vous comprenez bien. OK? Après, vous avez deux choix. Si toujours vous ne comprenez pas, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Vous avez besoin d'une valve à côté de vous. Eh bien, vous prenez ou un call, ou plusieurs calls, ou vous prenez un coaching avec moi. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. C'est par étapes. Commencez pas par le coaching alors que vous n'avez pas le PDF. C'est ça que je veux dire. Parce que dans le coaching, vous n'aurez pas ce PDF-là. Le PDF, c'est la base. C'est la base. C'est comme apprendre l'alphabet à l'école. Bah, le PDF, c'est la base. Après, vous montez. Donc, vous êtes à l'école primaire. Vous montez en secondaire.
Vous montez de level, prenez un call. Après, vous voulez l'université. Et voilà, vous prenez un coaching avec Val. Vous comprenez? C'est comme ça que ça va avec la logique. Voilà, je voulais juste dire ça. Bonne nuit, bonne nuit. Merci Val, t'es un amour de rien, ma belle. Bolo Samba du Gabon. Ah, coucou Céline, comment tu vas? Féval, replay pour moi. Ok, super. Bonne nuit à toutes. Merci Valtana. Ok, bonne nuit. Bonne nuit Véronique. Bisous, belle nuit. Merci Catherine. Excellente nuit Val. Merci vous aussi à toutes. Bisous, bonne nuit. Je vois tous vos commentaires. Nat. Oh oui, c'est trop cool quand on nous dit qu'on est rayonnante, épanouie, qu'on a plein de vie dans les... Oh, ça me fait plaisir Nat. Ça me fait... Mais tu m'expliqueras ça durant le prochain PDF. Vous êtes formidable, douce nuit. Merci Nadège. Belle et douce nuit. Belle et douce nuit, Pat. Après l'université, tu es la reine. C'est ça. Les queens. Il faut déjà vous dire à vous-même que vous êtes belle. Mais oui, bien sûr. Il faut lire. Voilà. Belle et douce nuit. Ah, toutes les stars de vos films. Ah, toutes les reines et les rois ici présents. Et je vous souhaite de manifester tous vos désirs, tous vos rêves les plus fous, en tout cas surtout le bien-être mental et physique, ça c'est la base. Et après, le reste viendra naturellement. Bisous, à bientôt.